Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulet dans le Finistère. On se retrouve cette semaine avec un super soleil, comme vous voyez. Donc cette semaine, dans la vidéo, on aura le papier de démarrage qu'on a enlevé dans les cages, dans le P4. Les filles, elles ont fait ça cette semaine. Et ensuite, on aura tout ce qui est la préparation du P5 et du P6 sur le deuxième site d'exploitation. En sachant que les poussins arrivent dans une semaine, le mardi 18. Donc c'est pour ça qu'on a tout à préparer avec la nouveauté du Miscanthus. Donc on a tout ça préparé. Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui je suis dans le P4. Je vais enlever le papier de démarrage donc des poussins. Donc là les poussins ont à peu près 10 jours. Donc il est vraiment temps de les enlever, vous voyez. D'habitude on les laisse 4-5 jours les poussins maximum. Là on a attendu un petit peu parce qu'on avait un petit peu de mortalité. Donc on a préféré les laisser un peu plus. Mais là il est vraiment temps de les enlever. Donc vous voyez. Il y a quand même pas mal de fientes aussi. Donc voilà, on va se mettre au boulot. Donc je vais vous faire voir comment j'enlève le papier de démarrage. Donc j'ouvre ma cage, je prends mon papier, là qui est très bien humide. Donc comme ceci, je le prends en deux et je le pose sur mon petit chariot. Bon, on se retrouve sur le deuxième cycle d'exploitation aujourd'hui. Comme vous voyez, je suis à mettre le Miscanthus. Donc le Miscanthus, il faut savoir que c'est une plante qui est ensilée à la sortie d'hiver, début de printemps. Donc dès que les terrains portent. Donc là, ça a été un produit qui a été ensilé fin mars, début avril, qu'il a été ensilé. Donc c'est un produit qui est super sec. C'est ensilé avec une ensileuse basique, avec un Kemper. Donc là, c'est franchement un produit super sec en menu. Et voilà, c'est un produit qui est froid. Ça n'a pas chauffé et tout, donc pour moi, c'est un super produit. On va essayer, on va voir. Après, tous les échos que j'ai eu, ça marche super bien. Donc là, j'en fais venir à peu près 60 mètres cubes dans chaque bâtiment à peu près, que je fais venir. Pour voir, donc après, là, j'ai mis deux remorques. Là, on a déjà fait le P5, il est déjà fait. Il est à peine fini d'étaler, mais on a mis deux remorques, on a mis 60 mètres cubes. Et là, dans le P6, là, on s'y met. Donc voilà, je voulais vous faire voir un petit peu ce que ça donnait. Voilà, après c'est ça a pas l'air trop poussiéreux ce que je vois. Quand on le met c'est un peu poussiéreux, bah comme voilà, comme toute matière sèche comme ça, c'est un peu poussiéreux. Mais après un coup que c'est posé, qu'il touche plus, c'est ça fait pas comme le copeau. Dès que tu marches dedans, tout, tu te retrouves avec les chaussures blanches ou n'importe, et ça sèche la gorge. Contre là c'est différent, moi je trouve. C'est, on verra. Thank you.
bâtiment là, dans le P6, que faut savoir qu'il y a les deux poteaux au milieu. C'est hyper juste pour passer à côté et entre la chaîne, parce que je passe pas en dessous de la chaîne moi, de côté des Lesco. Donc c'est un peu le bazar. Égaliser Miscanthus, on a passé presque une grosse matinée en tout à faire les deux bâtiments à deux personnes, Angélique et moi. Donc voilà, je pense que c'est un bon produit, tout. C'est poussiéreux quand tu le mets, mais après quand tu marches dedans, tout, c'est pas du tout poussiéreux. Donc là, ça fait vraiment menu, c'est de la matière vraiment menu. Alors je suis désolé. Donc, j'espère que vous avez réussi à voir. En fait, ça fait vraiment c'est vraiment menu. Ça fait 1,5 cm, 2 cm. Que c'est ensilé, donc là on l'a étalé, on a mis 60 mètres cubes par bâtiment, donc je pense, si on refait d'autres lots comme ça en Miscanthus, si ça marche bien, après il faut voir le coût financier aussi par rapport à ça, mais si ça marche bien, je pense qu'il va falloir trouver un moyen pour l'étaler, parce que là en fait, quand j'étalais avec le micro-tracteur et mon madrier derrière tout, ça fougeait devant, donc en fait j'emmenais tout, j'arrivais pas à laisser une petite pellicule de Miscanthus. Donc moi mon but c'est pas de d'étaler et qu'on repasse derrière avec les râteaux ou autre, là ça fait 3000 m² quand même à étaler. Là ça va parce qu'on avait un peu de temps, mais quand on sera court en vide, on pourra pas se permettre de passer autant de temps à égaliser ça. Donc pour moi, si on continue à faire un mètre du Miscanthus, pour moi il va falloir trouver une solution. Je pense soit mettre un système sur le télescopique. Soit faire une trémie avec le télescopique et avec le moteur hydraulique, je sais pas, soit mettre sur le micro-tracteur, faire une sorte de dépendant d'engrais avec des gros plateaux et à grosse trémie en fait, j'y pense. Vu que c'est pas lourd, je pense qu'on peut mettre une grosse réserve derrière le micro-tracteur et épandre ça en fait. Je sais pas, c'est ce qui me vient à l'idée aujourd'hui. Là, au niveau de. Au niveau du Miscanthus, c'est bon. Donc maintenant. Je suis commencé à mettre l'aliment au niveau des chaînes d'alimentation et pipettes et tout ça. Donc j'ai démonté ma chaîne dans le P5. Je suis dans le P6. J'ai démonté ma chaîne dans le P5 comme je vous disais l'autre jour, qui vrillait à chaque fois, qui marchait que de temps en temps. Donc en fait j'ai trouvé, c'est dans le bout, c'est mon axe en fait qui est fendu en deux. Et en fait, ça le fait tourner par moment de travers. Et en fait, ça l'a fait forcer la spire, donc ça l'a fait disjoncter. Donc là, je l'ai démonté, mais c'est exprès. Et c'était fermé hier tantôt, le magasin où on va chercher nos pièces. Donc c'était fermé, donc on ira vendredi matin maintenant. Vu que c'est fermé, vu qu'on est férié aujourd'hui, c'est pour ça. Donc comme je disais, moi, je suis commencé à mettre l'aliment dans les gamelles. Donc là, c'est la première fois qu'on le fait avec la trémie du télesco. Donc sur ce site-là. Donc je savais pas si ça allait marcher, donc j'ai réussi à faire les extrémités, la chaîne la plus près du bord, donc j'ai réussi à faire, donc ça, pour moi ça a bien marché. J'ai passé peut-être une demi-heure à faire ma lignée tout seul, donc ça se fait bien passer, contrairement quand on le fait, on passe énormément de temps, on use du temps et de la fatigue aussi, parce que mine de rien on... Il y a de la farine qui passe énormément dans nos mains, donc on marche énormément, tout, c'est assez lourd à force, donc c'est pour ça. Donc là, j'ai mis ça. Ensuite, je vais mettre mon papier de démarrage en dessous de ma pipette et je vais mettre mon aliment en dessous de la pipette. Et après, je vais descendre mes deux autres. Je vais faire pareil de l'autre côté, je vais mettre en dessous de la pipette le papier de démarrage et ensuite, je remplirai les deux chaînes d'alimentation à la fin. D'habitude, on descend tout d'un coup, mais là, après réflexion et à force de faire, je pense. Je me rends compte que vaut mieux descendre une par une et on remplit les gamelles une par une. Vu que là, avec la trémie, comme ça, je peux tout faire moi avec la trémie. Et comme ça, on fatigue moins et on gagne du temps.
Donc là, je vais faire comme ça. Je vais descendre. J'ai descendu celle-là, la première chaîne au long du mur. Donc celle-là, elle est faite. Là, maintenant, je vais mettre le papier en dessous, le papier de démarrage en dessous de la pipette à côté de la chaîne, celle-ci. Ensuite, je descendrai l'autre là-bas au fond. Et comme ça, je mettrai mon aliment sur ces deux papiers de démarrage-là. Et après, je descendrai mes deux chaînes. Parce qu'il faut savoir que ces deux chaînes-là dans le P6, à descendre, il n'y a qu'un seul treuil pour remonter et descendre ces deux chaînes-là. Donc c'est le même, donc ça descend les deux en même temps. Donc après je remplirai ces deux-là et je finirai par la pipette centrale, celle-ci. Celle-là, je pense que je vais être embêté parce que j'ai les sapristis de poteaux en plein milieu là qui me font suer. Que le bâtiment, quand il s'était affaissé un peu, il fallait renforcer. Donc on avait mis deux poteaux au milieu, mais je pense que je vais être embêté parce que je ne vais pas arriver à passer à côté. Je vais voir, mais on verra tout à l'heure, mais... Donc voilà, là on met environ 800 kg de farine qu'on met en tout, autant dans les gamelles que ce papier de démarrage. Et là on se posait la question avec Angélique de mettre des alvéoles en plus et des petits béquets en plus à droite à gauche en farine, parce que là c'est de la poulette blanche qu'on va démarrer, et la poulette blanche est un peu plus feignante au démarrage, elle est un peu plus dure à démarrer. Donc je pense qu'on va mettre à droite à gauche des petites alvéoles pour bien qu'ils s'alimentent dès le départ. Bon, au niveau du papier de démarrage, c'est le même que ce qu'on avait mis dans le P1. C'est du papier qui va se dégrader au bout de 4-5 jours. Il n'y aura plus rien. Il va pourrir dans la fiente. Donc voilà. Là, j'ai mis un truc au bout. Une chouille pour bloquer mon papier. Et après, j'ai mis un fer à béton dans mon rouleau et je le déroule comme ça. Donc on va... l'aliment sur le papier de démarrage et autant les gamelles, ça se fait pas mal, je trouve. Le seul défaut sur certaines gamelles, on a une rangée là de chaînes, c'est les grilles. Quand vous avez réussi à voir, ça clignote, je suis désolé. Ces grilles là en fait, ça fait que l'aliment tombe et ça en éparpille un peu chaque côté, mais après c'est pas méchant, on a qu'une chaîne, une longueur de chaîne et demie comme ça, donc voilà, ça se fait bien autrement. Donc là c'est pour ça que je suis à re-remplir à Trémy. Donc là je fais ma deuxième dans ce bâtiment là, dans le P6. Donc je vais
Bon là j'en ai avoir assez, il me reste une chaîne à faire. Il me reste 10 mètres à faire sur l'autre, plus le papier de démarrage. Un papier de démarrage à faire. Donc voilà, au niveau du papier de démarrage, franchement c'est... c'est le top, comment qu'on met l'aliment, ça se fait tout seul. C'est l'avantage. On fatigue beaucoup moins. Et après un gain de temps, je sais pas, parce que à deux, si je pense qu'on gagnerait peut-être un peu de temps, ouais quoi que, je sais pas. Mais ça se fait bien, c'est le top. Donc là, je vais finir de mettre l'aliment là, aujourd'hui, et après je pense que je vais mettre les canons à gaz. Comme ça, je serai prêt à démarrer en chauffe demain, si je peux. Bon, on se retrouve vendredi après-midi. On a fini de préparer le P5 et le P6. J'ai mis un petit peu en chauffe, juste pour voir si les canons à gaz marchent, fonctionnaient et tout, s'il n'y a pas de souci. Voilà, il me reste juste ma spire à réparer, ma chaîne. J'avais pas la pièce, ils n'avaient pas la pièce. On l'aura, je pense, lundi matin, donc il faut que je monte ça. Et voilà, après il reste un mètre à éparpiller les perchoirs à droite à gauche. Là ils sont rentrés dans le bâtiment pour faire la désinfection tout. Qu'est-ce qui reste? Ça doit être tout. Après je réfléchis. La séparation qui reste à fignoler, à mettre des tapis entre les pipettes et entre les pipettes et la chaîne aussi, pareil, pour pas que les poussins ils passent au démarrage. Donc il restera ça à faire, mais je ferai ça lundi. J'aurai le temps, donc ils arrivent vendredi à mardi en début d'après-midi les poussins, donc voilà. Au niveau de ça, donc tout fonctionne. Là je vais me mettre à broyer autour des bâtiments du P5, P6 là, parce que c'est pas forcément très très propre. Il y a plein d'herbes et vu qu'il veut faire à peu près beau là aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais me mettre. Puis je vais en profiter aussi, c'est que j'ai le micro-tracteur qui est sur place. Donc je vais en profiter au lieu de refaire la navette, de le ramener. J'ai fini de broyer, comme vous avez pu voir, donc il me restera juste un petit peu de débroussailleuse à faire un peu sur les bords et traiter le long du grillage, parce que là le long du grillage j'ai pas le choix de traiter si je veux pas que les épines s'envahissent et l'herbe, voilà, que ça fasse propre. Donc voilà, et après il restera tout ce qui est sur le site principal aussi à broyer. Je pense qu'on verra ça la semaine prochaine maintenant. Donc voilà, je voulais vous faire voir aussi le P4, l'évolution en fait des poussins depuis que les filles elles ont enlevé le papier de démarrage. Donc là on est vendredi, donc ça fait 5 jours. Donc en fait Angélique disait que ça allait, qu'il était grand temps d'enlever le papier de démarrage. En fait on l'a laissé plus longtemps parce qu'il y a eu un peu plus de mortalité et on a remis de l'aliment en fait sur le papier de démarrage. Donc on en a remis 3 fois. Donc on en a remis au bout de 2 jours qu'ils soient arrivés les poussins, 2 jours après et encore 2 jours après. C'est pour ça, donc on avait laissé le papier de démarrage et après voilà, on aurait pu l'enlever je pense au bout de 7-8 jours, mais ça tombait un week-end avant le week-end, donc on a dit c'est bon, on fera ça le lundi. Donc les filles elles ont fait ça le lundi et en fait on voyait les poussins un peu moins beaux le lundi matin, on les voyait tristounets et tout, mais en fait quand on les voit aujourd'hui, je suis désolé, ça va encore clignoter, voilà. Vous avez vu comment ils sont? Ils sont bio, celles-là elles sont bien démarrées les petites poulettes. Donc là c'est les baguets. Donc voilà. Là franchement c'est parti en évolution, c'est parti. Elles sont parties, il n'y a plus de mortalité, c'est très bien. Je pense que je ferai un point la semaine prochaine sur tous les bâtiments, sur le P1, P2, P3, P4, au niveau des évolutions, pour faire voir un petit peu
le point et voilà. Donc voilà, au niveau du point du P4. Donc maintenant, bah voilà, et maintenant il faut attendre. Il n'y a plus que maintenant, on les desserrera dans 4 semaines. Donc voilà, dans le P2, je pense qu'on va les desserrer. Là, on va avoir 4 semaines, fin de semaine prochaine. Donc la semaine d'après, je pense dans 15 jours, on va commencer à les desserrer. Une vidéo un petit peu principalement sur le deuxième site d'exploitation pour la préparation du bâtiment. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et à partager. Allez, ciao. We'll be right back.